France. C'est sa reprise de Douce France de Charles Trenet qui lui ouvrira les portes du succès. Un brin de provocation, Rachida est née près d'Oran avant d'arriver en Alsace à l'âge de 10 ans. La disparition brutale du leader du groupe Carte de Séjour est une perte immense pour le monde de la culture. C'était l'une des figures du rock français des années 80, le porte-drapeau de la France Black Blamber. Nous avions mené ensemble beaucoup de combats pour la musique nouvelle, pour les droits des personnes, pour l'intégration de toutes les cultures en France. 1989, Rachida se sépare du groupe Carte de Séjour, puis entame une carrière solo. Il enchaîne plusieurs albums et remet notamment au goût du jour Ya Raya, un classique du répertoire algérien, un succès planétaire. Autre moment fort de sa carrière, 1998, Rachida enflamme Bercy avec Khaled et Fodel lors d'un concert inoubliable, 1, 2, 3 Soleil. Il restera aussi dans les mémoires pour sa reprise de Rock the Casbah du groupe The Clash. Rachida venait de terminer un nouvel album qui devait sortir début 2019. Il devait aussi fêter ses 60 ans mardi prochain.